Toi aussi, tu la kiffes, la musique du générique de mes petites vidéos. Bah vas-y, montre-toi, visage ouvert, face caméra, filme-toi, fais comme Constance, fais comme le troisième larron là, dont je ne connais pas le prénom, envoie, filme-toi et envoie-moi le produit de ton film à ce que tu veux, à stéphane-edouard@gmail.com ou à homme-d'influence@gmail.com ou même à information@homme-d'influence.com, comme tu préfères. Et fais partie de nos génériques. On a envie de te voir savourer, prendre ton pied, prendre ton plaisir sur la musique de notre générique. En tout cas, moi, j'en ai envie. Voilà, donc là, on a eu dans l'ordre Léo, Constance, à qui je passe le bonjour. Salut, Constance. Et bah, le troisième larron, là, l'inconnu, vas-y, mets-moi en commentaire qui tu es, parce que je ne m'en souviens plus. Et puis voilà, continuez à vous filmer et à envoyer vos vidéos à une des trois adresses précitées. Bon, allez, on démarre. C'est Stéphane Edouard, il t'a manqué ton sociologue. Et bah oui, écoute, il a fallu de temps en temps, il faut de temps en temps que je monte à Paris, comme on dit, que je monte à la capitale pour travailler. Alors voilà, je me suis absenté de la chaîne YouTube en... Ah ben voilà, évidemment, comment se fait-il que dès que je commence une vidéo, ma chaîne WhatsApp apparaisse? Plutôt mon WhatsApp sonne. Donc, je t'ai manqué 4-5 jours, je le sais. Il a fallu que je monte à Paris pour bosser, pour des rendez-vous pro, pour une conférence, pour un meeting, pour des relookings, bien autre chose. Bref. Je te dois plusieurs choses. C'est pas des excuses, hein, je te raconte un peu 36-15 My Life. Bon, après, tu es libre de sauter cette partie de la vidéo. Alors, la première chose que je te dois la réponse au petit jeu des 50 euros. J'avais posé comme ça, il m'était venu au vol, une question relative à la veste de smoking que je portais. J'avais demandé comme ça pour vous faire gagner 50 euros parce que ça me faisait plaisir par rapport au dernier séminaire de vous offrir un petit coupon en échange de la réponse à la question à quoi servent les revers de soie, pourquoi les revers des smokings sont-ils en soie alors que ceux des costumes ne le sont pas. Et vous avez été nombreux à répondre. Bon, en fait, vous avez triché, je le sais, hein. Vous avez cherché sur Google évidemment. Et j'ai tiré au hasard, voilà, tout simplement, vous voyez mon écran, j'ai tout simplement tiré au hasard la réponse de Jean-François Carl. Alors Jean-François Carl, pour obtenir ton coupon, et pour être bah, sûr évidemment que c'est toi, hein, sinon c'est trop facile, vous pourriez m'écrire avec n'importe quel email en me disant c'est moi qui ai gagné, tu vas m'écrire depuis ton compte YouTube. Et pour ce faire, comment on fait d'ailleurs? Alors il faut que tu cliques sur ma chaîne. Ah bah tiens, voilà, bravo, une erreur s'est produite. Et ben ma chaîne alors, elle est où ma chaîne? Voilà, merci YouTube de me faire l'effet Bonaldi, évidemment, juste quand j'en ai besoin. Bah c'est bizarre ça quand même. Écoute, ben oui, alors il y a une erreur, ben, quand tu cliqueras sur ma chaîne et quand ça fonctionnera. Voilà, quand ça fonctionnera, tu auras là, dans un petit onglet, à propos, et dans ce à propos, tu auras à nous contacter ou me contacter. Ben alors, putain, c'est pas possible ça. Et voilà, tu me contacteras, je vérifierai que c'est bien toi et tu gagneras ton bon de 50 euros. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui taraude, qui ne peut que tarauder les Français, qui est le coût des costumes du candidat prédestiné, car souvenez-vous, il y a encore un mois ou deux, il était prédestiné à remporter la présidentielle. Maintenant, il est prédestiné à la perdre au profit d'un duel qui s'annonce, enfin, que les médias nous annoncent. Mais enfin, vous savez ce que je pense des médias, hein, puisqu'il faut ce que vous devriez en penser également d'ailleurs. Donc aujourd'hui, un duel s'annonce autour de la candidature, des candidatures des. De, comme disait Mélenchon, c'est plus la droite extrême et l'extrême droite, c'est l'extrême droite et puis le centre d'affaires ou la gauche d'affaires ou le système, comme disent certains. Bref, mais moi dans tout ça, ce dont j'ai envie de parler, c'est finalement le plus important, c'est ce que tous les Français se demandent, hein, vous savez, c'est le coût du costume de François Fillon est-il justifié? Voilà. Faut-il payer 6 000 euros son costume? Cela est-il raisonnable? Quelle est la différence entre un costume sur mesure et un costume pas sur mesure? Et puis surtout, est-il normal? Enfin, est-ce que cela a un sens? Est-ce que c'est absurde
quand on est un homme, quand on a un certain statut, une certaine fonction, un certain devoir de représentation, est-ce que ce sont des tarifs qui sont raisonnables? Est-ce que tout cela a un sens pour un amoureux des belles choses? Enfin, d'abord des belles personnes, je préfère les belles personnes aux belles choses, évidemment, hein, raison, gardons toujours une certaine forme de verticalité, de hiérarchie, mais j'aime également les belles choses, ça n'aura pas échappé aux plus observateurs d'entre vous, évidemment, hein. Bah d'abord, tiens, puisque j'ai annoncé le résultat du jeu précédent, on va refaire un nouveau. Donc toujours pareil, pour gagner un petit coupon de, allez, 50 euros, pareil, à valoir sur mes prochains séminaires sur Math Consulting, vous allez me dire si vous pensez que cette veste de smoking est sur mesure. Et pour vous départager, parce qu'évidemment, vu que la réponse est oui ou non, vous serez beaucoup trop nombreux à répondre, donc je ne pourrai pas vous départager facilement. Donc pour vous départager facilement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous demander d'en estimer le prix. Voilà. Quand vous en aurez estimé le prix, eh bien évidemment, pour gagner, il faudra être au plus près du prix estimé et puis avoir deviné si c'était sur mesure ou pas. Voilà, ça vous va? Bon. Puis comme c'est un peu compliqué, finalement, on va augmenter le bon. Ça va être 75 euros. Alors les costumes de Fillon. Alors je tape François Fillon. Vous voyez mon processus qualitatif, vous voyez vraiment toute la méthode là en live, donc c'est très compliqué. Je vais taper François Fillon sur Google, je vois les images et nous allons parcourir ensemble un petit peu les plus représentatifs, c'est-à-dire les moins photoshopés, les moins montés. Bon, ça c'est évidemment photoshopé, c'est évidemment monté, donc il y a peu à en dire, hein, c'est relativement retouché. Donc voilà, on voit que tout est plaqué, tout est à plat, tout est entre guillemets parfait, donc dénué d'intérêt. Prenons plutôt. Sélectionnons plutôt les photos prises de lui sur le vif ou les extraits de journaux de télé. Alors là, déjà, on voit sur cet extrait-là un premier petit défaut, mais le discernement va consister non pas à critiquer le défaut stupidement comme un blogueur mode lambda sur Internet, que je ne suis pas blogueur mode, j'ai toujours dit, moi je fais des. J'habille les hommes, c'est un hobby, c'est une passion, c'est un second job depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai commencé exactement en même temps que les conférence de psychosociologie. D'ailleurs, mon site initialement était labellé dans Google Séduction et Relooking, faut s'en souvenir, faut le savoir ça, comme on dit. Pourquoi je vous raconte ça? Je sais plus. Bref, pardon, c'est le retour de vacances, j'ai les idées qui s'embrouillent un petit peu. Ah oui, alors il faut se souvenir, il faut toujours savoir discerner ce qui est dû aux vêtements, ce qui est dû à la position, ce qui est dû à la photo. Bon, là, il serait très facile de critiquer l'excès de matière là, au niveau du haut des dorsales. Je pense que c'est en réalité, la critique serait un peu facile. Ça serait facile de critiquer le tailleur de Fillon. Tailleur qui, soit dit en passant, à voir le revers et le cran, me semble être tout à fait. On voit que c'est de la belle ouvrage, donc voilà, ne jugez pas trop durement ce pli-là que je vous montre aux omoplates. C'est à mon avis une question de posture, de hauteur de chaise, de hauteur de table. Vous savez que les journaux, alors est-ce à leur insu, est-ce à leur corps défendant, le font-ils volontairement, je ne sais pas. Mais quand ils veulent, moi je vous le livre hein, parce que je les ai vus les salles d'interview, hein. Quand ils veulent avantager ou défavoriser un candidat, quand ils veulent le mettre à bien ou le mettre à mal, eh bien ils soignent plus ou moins son assise. Et moi je me suis retrouvé par exemple sur Europe 1, avec un micro beaucoup trop bas pour moi, lorsqu'on m'a demandé de faire teshuva, là, on m'a demandé de présenter mes excuses. Le micro étant beaucoup trop bas, en fait, j'ai presque une posture de rédemption, en tout cas, où je semble solliciter, je semble quémander, je semble prêter le flanc à une forme de critique, en réalité, parce que le micro étant trop bas et la chaise trop haute, enfin, le micro n'étant pas réglable en hauteur, on ne me l'a pas réglé, ben, du coup, je suis obligé de me pencher, j'étais voûté, vous mettrez la photo là. Donc voilà, donc pour moi, sur cette photo, on ne peut pas juger. Elle est évidemment assez vilaine, cette photo, mais vous voyez, j'essaie de copier un petit peu sa posture, et quand on copie cette posture, on a le même type de pli qui se forme à ce niveau-là, et on peut avoir également, si on est en phase relativement agressive avec son interlocuteur et qu'on a tendance à sortir le menton et à se rapprocher physiquement de lui, on peut avoir tendance à créer ce pli-là. Je ne sais pas si je l'ai, je ne me vois pas dans le retour. Attendez, j'aimerais aller dans le retour. Est-ce que j'ai. Ouais, j'ai à peu près le même pli, donc cette photo ne permet pas de juger.
si les costumes de Fillon valent les 3, 6 ou 9 000 euros qu'on dit qu'ils valent. Bon, celle-ci non plus, on ne sait pas très bien le sens de cette photo d'ailleurs. Ah, alors on va le voir beaucoup mieux là. Bon, alors là, c'est un exemple typique. Donc vous voyez que, alors, en tout bon représentant, en tout bon client des grands tailleurs, en tout bon représentant de la bourgeoisie, de la sartoria, comme on dit ici en Italie, il a ses fétiches, il a ses chouchous et il a ses formes fétiches. Donc il a décidé, ou on lui a conseillé, ou il s'est pris d'affection pour une forme de revers très large, qui est en général à réserver aux larges épaules. Et donc du coup, il se retrouve, pour ne pas avoir ce catastrophique effet revers large, épaule étroite, il se retrouve du coup à devoir avoir une épaule beaucoup trop large. On voit qu'évidemment là, la carrure que nous laisse deviner ses épaulettes, puisque la veste est épaulée, en fait, cette carrure, il l'a pas du tout. On voit bien qu'en fait, son épaule réelle s'arrête ici et que tout ça, c'est vide. Donc en réalité, est-ce la conséquence d'un mauvais choix de revers pour sa morphologie ou est-ce la conséquence simplement du fait qu'il est obsédé, comme beaucoup de représentants politiques et d'élus, par donner l'image d'une carrure qu'il n'a, en tout cas qu'il se sent obligé de démontrer par le vêtement. En tout cas, l'épaule est beaucoup trop large et on ne peut pas tricher avec une épaule trop large, puisqu'évidemment, on voit bien qu'ensuite, on ne la remplit plus ici. Hein, donc vous voyez des deux côtés l'excès de matière. Alors, qu'un tailleur malin ensuite compense par l'emmanchure, hein, ça c'est l'emmanchure et ça c'est l'épaule, ce n'est pas la même chose. Donc évidemment, en resserrant l'emmanchure, on évite de flotter trop dans sa manche, et ça fait, on évite d'avoir des bras à allumettes. Mais néanmoins, non, non, l'épaule est catastrophique. Alors je ne sais pas combien vaut ce costume, mais je peux vous dire qu'en relooking, cet effet-là, enfin d'abord on fait beaucoup mieux que ça en relooking, et puis cet effet-là, sincèrement... Enfin, là, si ce costume vaut 3 ou 6 000 euros, alors quelqu'un s'est fait escroquer. Est-ce lui, est-ce nous, est-ce le fameux ami qui lui offre? Mais ce visuel-là, on fait mieux avec un costume bien choisi dans le prêt-à-porter ou même dans la grande distribution. Je pense que moi, même chez Carrefour, je trouve un costume qui tombe mieux que ça. Alors, tiens, regardons-le chez RTL. Donc voilà, toujours son obsession du revers large. Là, on voit que c'est une laine fine, donc ça, il a été malin en fait, parce qu'il sait qu'il fait chaud dans les studios radio. Pourquoi il fait chaud dans les studios radio? Parce que les studios radio sont excessivement amortis pour des raisons d'écoute, pour des raisons audiophiles. Donc, il fait souvent très très chaud, et donc évidemment, il n'y a rien de pire que de se surhabiller, que de mettre une laine trop épaisse. Par exemple, si je mettais ça pour une interview radio, je serais un crétin, parce qu'en réalité, je serais immédiatement. À la première pique, à la première montée de sang, je serais en train de transpirer. Ben, d'ailleurs, on voit ce que exactement là, il a tombé la veste carrément. Hein, ça, c'est un classique en radio qu'on ne se permet pas en télé. On ne le verra jamais sur TF1 tomber la veste. Mais en radio, évidemment, de par l'amortissement acoustique, il fait souvent très très chaud dans les studios qui ne peuvent pas en plus recourir abondamment à la clim, encore une fois, pour des raisons de bruit. Alors, tiens, ça, c'est un cliché pris encore une fois sur le vif, donc ceci ne trompe pas. Alors c'est très intéressant parce que là on voit deux messieurs, évidemment avec toute la différence de statut, de rôle, de couche de l'image qui s'impose. On voit probablement son garde du corps derrière et on voit dans le vif ce que donne. Alors aucune de ces deux images de costume n'est parfaite évidemment, mais parce que c'est pris dans le vif, hein, on ne peut pas comparer évidemment une photo de tailleur sur mannequin ou une photo de personnages de films où la scène a été répétée 50 fois. On ne peut pas répéter une photo de on peut pas comparer une photo de magazine à une photo prise sur le vif dans la réalité avec tous les plis dus au mouvement. Eh bien, on voit néanmoins que on voit la différence là entre un entoilage traditionnel et probablement ce qui est probablement un thermocollage. C'est-à-dire que vous voyez que pris dans le vif et pris dans l'action, marchant probablement à la même vitesse, vous voyez la différence entre le garde du corps qui a probablement un costume prêt-à-porter et enfin en tout cas à moins qu'il soit extrêmement bien payé comme garde du corps pour avoir un costume sur mesure, mais et Monsieur Fillon et François Fillon FF. Ben on voit que voilà l'entoilage traditionnel, c'est-à-dire cette double entre guillemets épaisseur où la partie intérieure du costume
se meut plus avec le corps puisqu'elle est détachée de l'extérieur. La doublure, la structure et la laine extérieure ne sont pas monoblocs. Eh bien, on voit que ça permet. Alors, bon, que les manches, on a déjà traité le cas des manches, mais on voit que au niveau du buste, au niveau du plaqué, pour quelqu'un qui est en mouvement, c'est assez remarquable. Il est bien tenu, il est bien pris. Ça épouse son buste et on imagine en plus que, enfin pour moi qui ai deux types de vestes, des sur mesure et des pas sur mesure, jouez d'ailleurs, hein, continuez à jouer en commentaire dans votre avis, je sais que là on se sent évidemment beaucoup mieux que dans ce cas-là où vous voyez la veste qui est probablement thermocollée résiste bien mal, outre le fait que la manche est trop longue, là, la manche ne devrait pas arriver avec un bras aussi fléchi à cette longueur-là. En fait, on voit que quand on est dans le cas d'un thermocollage, c'est-à-dire d'une fabrication plus cheap, on voit que dès que le mouvement est un peu brusque, en fait, toute la veste se déstructure, se décentre. On voit bien que le cou casse, on voit bien que regardez la même forme de bras, le même geste de bras, ce que ça entraîne. Chez François, chez FF, ça entraîne tout simplement une pliure assez harmonieuse, finalement, assez digne, le tissu épouse le mouvement que lui impose le corps et on voit que dans le cas du thermocollage, évidemment, le tissu résiste complètement au mouvement que lui impose le corps et on voit que là, son costume est en rébellion au monsieur en noir derrière. Voilà, donc je ne vais pas vous ennuyer beaucoup plus longtemps avec cela. Hein, évidemment, moi je pourrais en parler des heures, mais après, il faut savoir raison garder. Oh, la figure de contrition qu'ils lui ont mise là. Alors, répondons donc à la question posée, évidemment. Les costumes de François Fillon, FF, enfin je sais pas comment il faut l'appeler, valent-ils 6000 euros? J'ai envie de dire que dans une relation... Oui et non. Oui et non, car très belle matière, très beau tissu, choix peu audacieux, mais enfin correspondant à son électorat évidemment, mais très belle matière et très beau tissu. Je pense que ce qui est très valorisant et valorisable et ce qui doit valoir le prix et le coût dans la fabrication d'un vêtement sur mesure, en fait, c'est la relation avec le tailleur. Il y a quelque chose au niveau de la carrure que FF n'a pas su imposer à son tailleur. Alors je ne sais pas qui est parti sur cette épaulette large, je ne sais pas lequel des deux impose à l'autre ce revers de... Ah bah tiens, voilà, là il était à sa vraie carrure. Alors je ne sais pas si c'est le même tailleur, mais là vous voyez que là c'est sa largeur d'épaule absolument normale, et vous voyez que tout à coup quand on assume, par exemple je suis un 50, je pourrais être un 52 vu ma taille, je fais 1m90, 92, donc je suis à la frontière entre un 50 et un 52, je pourrais être un 52, simplement ma structure corporelle, qui est également celle de mon père, qui est également celle de toute ma famille, paternelle notamment, parce que je ressemble plus à mon père physiquement, nous sommes fins, voilà, indépendamment du sport que nous faisons, indépendamment de notre activité physique, indépendamment de... On est grand et mince. Et le problème de l'homme politique, c'est souvent d'avoir cette obsession pour l'image et pour la carrure et de ne pas accepter finalement sa morphologie naturelle, sa structure naturelle. Là, monsieur Fillon est un... Si je devais l'habiller, là, c'est clairement... Je pense que c'est un homme, c'est un 48 de structure corporelle, d'épaulé, qui doit parfois, dans ses commandes et dans ses demandes, s'habiller en 50. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est du sur-mesure, les tailles ne comptent pas, mais c'est pour vous, c'est pour parler à ceux qui connaissent déjà, aux rares hommes, aux 20 ou 30% d'hommes qui déjà connaissent leur taille de vêtements. Là, vous voyez, quand il s'habille en 48, vous voyez le tombé du vêtement qui est beaucoup plus proche de la perfection. Et là, ce n'est pas une image photoshopée, c'est une image de journal de 20 heures. Et vous voyez pourtant qu'on obtient au niveau du plaqué, des revers, du col, on a plus là la dernière petite vaguelette de tissu sur la cervicale et on n'a pas non plus l'emmanchure qui flotte. Donc là, il est dans sa taille naturelle et quand il a besoin ou quand il se sent en nécessité de devoir montrer de la carrure, et bien tout à coup, il passe à la taille au-dessus et il emprunte ou il se fait dessiner une espèce de faux 50. Et vous voyez que quand c'est le choix qu'il fait,
tout à coup, il se retrouve dans un tire-bouchon de tissu désordonné et assez inélégant qui, tout à coup, ne vaut plus son prix. Bon, voilà. Donc, allez, résumons. Dans tous les cas, ça ne vaut pas 6 000 euros, ça n'en vaut même pas 3 000. On peut se faire un très beau costume sur mesure, notamment là où j'habite en Italie, entre Rome et Naples, pour aller entre, je dirais, 750 et 1 000 euros. On peut monter un petit peu pour avoir un tissu absolument exceptionnel. Ces prix ne sont pas justifiés, mais souvenez-vous, hein, pour le costume d'un homme politique, c'est la lingerie des très jolies femmes. J'expliquais dans un séminaire sur la psychologie de la sexualité le principe de la lingerie. Un homme, mon copain, l'hétéro-binaire de base, l'hétéro-binaire de base, c'est-à-dire l'homme finalement simple, à qui il manque les nuances et à qui il manque la sophistication et la complexité du logiciel féminin, pour lui, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de payer 100, 200, 300, plus cher que ça, une culotte ou un morceau de tissu. En réalité, c'est une question de valeur perçue. Hein, le coût de la lingerie n'est pas proportionnel au poids, à la matière, à la qualité de fabrication, c'est proportionnel à l'image perçue d'une femme. Et l'image perçue, la valeur perçue, le coût qu'elle se décerne, est en fait le meilleur indicateur de son facteur de désirabilité, c'est-à-dire ce qu'elle ose prétendre dans la vie, ce à quoi on ose prétendre, est déterminé par ce que l'on estime valoir. En portant des choses très chères, on augmente sa valeur perçue et tout à coup, on se motive, on s'encourage à exiger de la vie des plus grandes responsabilités, des plus grands bienfaits, des plus grands dons. Et on va dire, c'est un accessoire, un booster indirect de confiance en soi que la valeur de ce que l'on porte. En cela, si, je dis bien si, alors je le répète, c'est totalement injustifié sur un point de vue, d'un point de vue esthétique et graphique. Il est tout à fait possible d'avoir bien meilleure allure que ça ou allure tout à fait équivalente avec 1 000 euros de costume, voire un peu moins. Mais si c'est son déterminant, si c'est son booster, si ça lui permet de se sentir à la hauteur des responsabilités qu'il est en train de réclamer à la France, après tout, et puis s'il les paye de sa poche et pas de la nôtre, après tout, ça le regarde. Hein. Ce n'est pas plus ridicule finalement qu'un ensemble de lingerie La Perla à 800 ou 1 000 euros que beaucoup de femmes portent, enfin dans les beaux quartiers en tout cas, et que vous ne devinez pas parce que vous n'en savez strictement rien. C'est le même levier psychologique. Hein. Je dis pas que FF porte de la lingerie La Perla ni des strings. Hein. Suivez-moi bien. Ben voilà, c'était la petite vidéo de retour de, j'allais dire de vacances, pas du tout de vacances, de retour de Paris. Alors, on la résume. Le jeu, j'ai répondu, Jean-François Carle, tu vas m'envoyer un message pour gagner ton bon. Le prochain jeu, vous allez essayer de deviner si ça, c'est du sur-mesure ou du prêt-à-porter et combien ça coûte. Et les pouces, bah, vous les avez déjà musclés. Vous savez que dès que vous voyez une vidéo de Stéphanie Doerme d'influence, paf, vous likez, ça c'est une évidence. Et que voulais-je vous dire? Ah ben oui, mais les commentaires, de toute façon, à ce stade de la vidéo, ils sont déjà laissés. Et puis maintenant, là, votre dernière tâche, c'est que la YouTube vous dit cliquez là. Moi, je vous dis, c'est celle-ci qui va vous intéresser parce que le contenu correspond à ce que vous avez l'habitude de regarder chez moi. Et puis, si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, allez-y, c'est le moment. Enfin, c'est le moment, c'est maintenant. Et puis, c'est là, c'est là, c'est là.